Allô les filles, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo de produits terminés. Ça fait comme quand même plusieurs mois là, que j'accumule des choses, en fait depuis mon dernier vidéo de produits terminés. Et mon sac commençait à déborder, c'est pour ça que j'ai senti le besoin urgent de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Bon, comme il est pas mal plein, j'ai pas vraiment regardé qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc je vais piger qu'est-ce qui vient et puis je vais vous donner mon opinion. Donc premièrement, j'ai fini une enveloppe de lingettes démaquillantes de chez Kirkland, qui est la marque du Costco. Et je n'ai que des bonnes choses à dire sur cette marque-là pour les lingettes démaquillantes. Parce que premièrement, ça vient en gros paquet, c'est super moins cher. En fait, c'est comme 16$ la boîte, alors que normalement, un bon paquet de lingettes, c'est vraiment... ça peut aller facilement entre 8 et 12-14$, dépendamment de la marque. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre celles-là. Elles sont toujours bien humides, ils enlèvent tout. J'ai aucun problème avec ces lingettes-là. Ensuite de ça, j'ai terminé une petite boîte de thé qui était sortie l'an dernier. Mais en fait, c'est un thé qui est permanent, là, qui est toujours là, mais il avait sorti quand même une petite boîte pour enfants. Donc, c'est le thé qui s'appelle Piège à ours. C'était 1,50 g dans une boîte comme ça ici. Et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, dès que j'ai eu acheté cette boîte-là et que je l'ai eu goûté l'été dernier, je m'en suis tout de suite acheté une autre que je suis en train de boire en ce moment parce que c'est vraiment un thé que j'adore et je suis pas mal sûre qu'il est encore disponible, que c'est un thé régulier. Mais ce serait à vérifier, là, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Ensuite de ça, j'ai terminé mon spray net préféré qui est le fixatif sensation douce classique pour tout type de cheveux. C'est une tenue souple de chez Pantene. Ce que j'aime particulièrement de ce spray net là, c'est l'odeur. Ça sent... ah, je sais pas là, ça me fait capoter. Pour moi, c'est une odeur de coiffeuse. Et je l'aime vraiment beaucoup. En plus, les spray net de chez Pantene sont vraiment pas chers. Puis moi, je l'utilise pour faire tenir mes boucles parce que j'aime ça quand c'est lousse là, puis que c'est souple, puis que ça a pas l'air crunchy dans mes cheveux. Puis c'est... t'sais, mes boucles tiennent quand même assez bien, fait que ça fait juste assez pour leur donner encore un petit peu plus d'aide. Ensuite de ça, j'ai terminé mon masque slash revitalisant préféré, qui est celui de chez L'Oréal, le Total Repair 5, le masque reconstituant. Moi, je l'utilise pas mal à chaque fois que je me lave les cheveux, comme revitalisant dans mes pointes. Et il sent trop bon, puis tout de suite quand je le mets, là, mes cheveux deviennent doux, ils se rincent plus facilement, ils sont plus faciles à démêler. Ça leur donne vraiment une bonne texture, puis vraiment pas gras comme un masque pourrait l'être, parce que moi j'ai les cheveux, je vous le dis souvent, à tendance grasse. Donc je pourrais vraiment pas utiliser un produit qui serait lourd dans mes cheveux ou très gras. Donc j'ai vraiment aucun problème avec ce masque-là, puis c'est sûr que je vais le racheter, c'est déjà mon deuxième pot celui-là. Puis je vais continuer de l'utiliser aussi longtemps qu'il y en aura. Ensuite de ça, j'ai terminé une eau micellaire qui était celle de chez Reversa. Ce que j'aimais particulièrement, c'était la petite pompe, là, comme ça ici, comme on retrouve dans certains formats de chez Bioderma. Et ce que j'aimais aussi, c'est qu'elle était moins chère que le Bioderma et elle faisait tout aussi bien. C'était pour les peaux sensibles. Et ça enlevait très bien le mascara et tout et tout. Pour moi, les eaux micellaires, ça se ressemble toujours un peu. Donc, j'aime ça en essayer plusieurs, mais j'ai pas tant de préférence. En ce moment, j'aime beaucoup la Bioderma, le vert, là, le Cébium, je pense. Je suis pas mal sûre que c'est ça. Mais juste parce qu'il est vraiment gros et que le prix, ça valait la peine. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de différence, selon moi, entre les marques. Ensuite de ça, j'ai terminé une crème nettoyante de chez Corès. Je l'aimais beaucoup parce que c'était une crème, mais elle était aussi moussante. Donc, j'ai beaucoup aimé l'utiliser sur mon Clarisonic Mia. Et voilà, j'ai pas vraiment de trucs négatifs à dire sur ce nettoyant-là. Il piquait pas les yeux et tout, il allait bien. Je l'ai beaucoup apprécié, à part que c'est sûr que c'est un petit peu plus cher que les produits de pharmacie. Ensuite de ça, j'ai terminé un shampoing pour cheveux gras, qui était le shampoing citron, origine shampoing. De chez Lys Parisien, je pense que c'est ça la marque. En fait, moi, c'est une marque que je retrouve juste au Uniprix. En ce moment, j'utilise un autre shampoing de cette marque-là aussi pour les cheveux gras qui s'appelle Antigras et qui est à la rose. Et je l'aime beaucoup plus que celui-là pour la simple raison que lui, il est comme en gelée. Puis pour le faire sortir, là, ça prend les deux mains, là, tu forces, puis genre... j'en ai posé sur ma cuisse pour réussir à le ramasser. Parce que juste en pesant comme ça, j'y arrivais pas. Donc il marchait tout aussi bien que celui que j'utilisais avant de chez Clorane.
Mais celui-là, je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que même s'il est un petit peu moins cher, il est vraiment dur à faire sortir puis c'est vraiment agaçant. Donc, en parlant du loup, voici mon shampoing Sebo Absorbant Cheveux Gras de chez Cloran. Celui-là, je l'aime beaucoup. Petit hic, peut-être l'odeur. C'est un shampoing à l'ortie, ça sent pas très bon. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais continuer avec celui à la rose que j'utilise en ce moment parce que l'odeur est beaucoup plus agréable. Ensuite de ça, j'ai terminé un thé de chez David City, évidemment, qui est le thé Flamant Rose, qui est un thé qui a un petit goût de pamplemousse. Et c'est un thé que j'aime beaucoup, que je rajoute continuellement. Ça, c'est un petit sac de 25 grammes là, que j'avais eu comme dans un 3 pour 10 ou je sais pas trop. Là. Mais c'est vraiment un thé que j'apprécie beaucoup et que j'ai toujours avec moi dans ma collection. Ensuite de ça, j'ai terminé un pot de mangue punchée, qui est un thé qui est en ce moment disponible avec la collection d'été. Ça, c'était l'emballage de l'an dernier, là, il me restait un petit fond. Et c'est un thé que j'adore, il est vraiment bon. Si vous cherchez un bon thé à faire en thé glacé, je vous conseille celui-là, puis dépêchez-vous parce qu'il va disparaître encore une fois au mois d'août. Ensuite de ça, j'ai terminé une emballage de tampons de coton pour le visage de luxe de chez Kuo. Donc en fait, c'est la copie très exacte de ceux de chez Shiseido, en tout cas, il y a plusieurs façons de le dire, personne ne le sait exactement. Mais je les aime beaucoup, ils sont un petit peu moins chers que ceux de chez Shiseido. Vous savez de quoi je parle, ils sont un petit peu moins chers puis ils ont la même qualité, donc je vais conseiller d'acheter ceux-là, c'est sûr. Ensuite de ça, j'ai terminé un autre emballage de lingettes de chez Kirkland. Donc j'ai terminé beaucoup de thé là, au cours des derniers mois. Donc j'ai terminé Lagon Bleu, qui était un thé de la collection de printemps. Il m'en reste encore parce que j'avais fait quelques réserves. C'est un thé qui a été extrêmement populaire là, puis je serais vraiment pas surprise de le voir revenir l'an prochain. C'était un thé qui goûtait le jus bleu, donc c'était vraiment trop bon. Ensuite de ça, j'ai terminé un thé qui s'appelle Pêche Crémeuse, qui est aussi un thé de la collection de printemps. Et pour moi, ça goûtait l'abricot brandé, je trouvais ça vraiment bon. Dans la collection qui vient de sortir, c'est Pêche Parfaite et il goûte beaucoup plus le jus de pêche que celui-là, mais les deux sont vraiment très bons. Ensuite de ça, j'ai terminé un de mes thés préférés qui s'appelle Goya Vagogo. C'est un thé super pour l'été, c'est super rafraîchissant, c'est un thé régulier, donc si vous voulez l'essayer, vous allez pouvoir continuer de le racheter si vous l'aimez, ce qui est vraiment avantageux. Il est aussi disponible en ce moment en format pichet, donc comme je vous avais montré dans mon vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous le conseille fortement. Ensuite de ça, j'ai terminé un autre emballage pour pichet de Mangue Punchée. J'ai terminé aussi un format de 35 grammes de Rouge Tango. Rouge Tango, c'est un de mes thés préférés. Qui sort habituellement avec la collection de printemps. Là, j'avais fait des réserves. J'ai acheté comme une canne de 200 grammes. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un de mes thés favoris. Ensuite de ça, j'ai terminé un gel douche qui est le gel douche Ponche de chez Lush qui était sorti au temps des fêtes que j'avais acheté au Boxing Day. J'en ai un autre en stock parce que j'en avais pris deux. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ça sent les agrumes. Ça sent... Il y a de la tequila à l'intérieur. Fait que c'est un peu épicé. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, s'il ressort l'année prochaine, là, je vous le conseille fortement. Ensuite de ça, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. C'était celui, le Wild, qui disent insolent et audacieux. Avec... je pense que c'est l'odeur là, qui était comme spéciale un peu. Ouais, ça sent quand même bon. Ça sent un peu la matante, un peu la poupoune. Mais je l'aimais quand même beaucoup, puis j'aurais aucun problème à le racheter. Là, j'adore les shampoings secs de Baptiste. Ensuite de ça, j'ai terminé de chez John Frieda un spray book impeccable. Ça, c'est un produit que j'ai pas mal toujours avec moi. Là, j'en ai pas un autre parce que je viens juste de le terminer, mais c'est un produit que je rajoute constamment. Et je mets ça quand je me sèche pas les cheveux. Donc, je mets ça dans mes cheveux ou quand je fais une tresse, on vaporise dessus pour que ça sèche puis que ça me fasse des petites vagues. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui est facile à utiliser et qui rend pas trop les cheveux crunchy. Ensuite de ça, j'ai terminé un autre emballage de mon fameux Rouge Tango. Ensuite de ça, j'ai terminé chocolat blanc de chez David City, qui était le... Ben, qui est là, il est toujours disponible. C'est le thé chocolat blanc avec matcha matsu, qui est un thé vert. Et ça faisait un thé qui était... un chocolat qui était vert fluo. Et c'était trop bon, là. Moi, je l'ai vraiment adoré. J'adore chacune de leurs boîtes de chocolat que j'essaye. Puis... C'est sûr que je vais la racheter. Ensuite de ça, j'ai terminé deux autres shampoings secs de Baptiste. Le régulier et celui Séduction Fleurie, donc qui sent les fleurs. Et je les adore beaucoup. C'est sûr que lui, si j'arrive à mettre la main dessus de nouveau, c'est sûr que je vais me le racheter. J'aimais beaucoup l'odeur. Ensuite de ça, j'ai terminé mon cache-somme favori qui est le Age Rewind de chez Maybelline. C'est vraiment mon cache-somme de pharmacie favori. En fait, je suis jamais tombée sur un cache-somme, même plus haut de gamme, que j'aimais autant que celui-là. Il est tellement couvrant pour le prix, là, c'était vraiment incroyable. Mettez la main dessus. Moi, je l'ai tout de suite racheté, là.
il est ici. Je peux vraiment pas m'en passer. Quand je l'ai pas, je vois vraiment une différence là. Comme même si vous pensez que vous n'avez pas de cerne, une fois que vous avez commencé à l'utiliser, vous ne pouvez plus vous arrêter. Donc, allez-y si vous cherchez un bon cache-cerne. Ensuite de ça, j'ai décidé de jeter, parce qu'il est vraiment loin d'être terminé, un gommage pour les lèvres de chez Lush qui était à la gomme ballon. C'est absolument pas parce que je trouvais pas le produit intéressant, parce que j'aimais pas l'odeur, c'est juste que il était passé date, parce que c'est vraiment le genre de produit que je pense pas utiliser là, le soir. Tu sais, j'ai pas de problème avec mes lèvres, donc je pense pas vraiment à les exfolier. Puis c'est ça. Malheureusement, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Même pas la moitié, même pas le corps, là. Il y a quasiment rien utilisé. C'est vraiment dommage parce que ça sentait vraiment bon. Ensuite de ça, je jette également un vernis à ongles de chez Wet n Wild qui est dans la couleur Tropicalia. Tout simplement parce que la formule est horrible. Je sais pas si c'est juste le mien qui est genre comme pas bon, là, ou ils sont toutes faites comme ça, parce que je sais que les autres que j'ai de chez Wet n Wild fonctionnent très bien. C'est juste celui-là, là. Il est full épais, comme j'en mets une couche là, puis c'est déjà trop gros, comme coulant, puis duh. Il est tellement épais là, je comprends pas ce qui se passe. Peut-être, bien franchement, que c'est juste que ça faisait trop longtemps qu'il était là à mon Walmart quand je l'ai acheté. Fait que j'aimerais ça avoir vos commentaires, si vous l'avez, si vous l'aimez, si vous avez des problèmes avec. Écrivez-moi là en commentaire là, parce que ça m'a vraiment déçue parce que la couleur est super belle. Ensuite de ça, j'ai aussi terminé 2T dans ce format-là qui était dans ma chasse aux œufs que je vous avais présenté là, quand je l'avais acheté. Il y a le thé chai au coco qui est un rooibos et c'est un de mes thés préférés. Je l'aime en latte glacé, je l'aime chaud, je l'aime froid, je l'aime. C'est sûr que je vais le racheter. Puis je le connaissais pas, fait que c'est vraiment super parce que je l'ai découvert grâce à ma chasse aux œufs. Ensuite de ça, j'ai aussi terminé de cet emballage-là, le thé Explosion Chocolatée, qui est un maté. C'est un thé qui est super stimulant, un thé que j'aime beaucoup depuis déjà longtemps. Ça goûte comme le chocolat à la framboise et c'est vraiment bon. Mais prenez jamais ça avant d'aller vous coucher, vous dormirez pas la nuit, c'est sûr. Moi je prends ça le matin, là, puis ouh, je me mets à avoir chaud puis à être excitée, là, c'est vraiment très caféiné, donc prenez vraiment pas ça pour vous relaxer le soir, là, vous allez mourir. Ensuite de ça, j'ai terminé un liner de chez Kate Von D qui était le Tattoo Liner. Et vous saviez que je l'aimais pas du tout. Je suis vraiment habituée avec mon liner Intense de chez Maybelline, puis pour moi ça fonctionne vraiment mieux que ce type de brosse-là. Mais de pinceau-là, je comprends même pas pourquoi il est tant populaire, mais franchement je trouve que... il est vraiment moche. Donc voilà, c'est déjà tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. On se revoit bientôt. Bye!